Bonjour, et tout d'abord à toutes et à tous, bonne nouvelle année scolaire. Comme à chaque rentrée, pour chacun, c'est d'abord le temps de la nouveauté, de la découverte, d'emploi du temps pour les enseignants, de projets et d'aménagements dans l'établissement, de nouveaux visages aussi, de collègues qui viennent rejoindre les diverses communautés éducatives, de la maternelle à l'école d'ingénieurs. Le visage de notre réseau La Salle aussi, sinon change, du moins, nous allons le voir, évolue. Et puisqu'il est question de nouveaux visages, je voudrais vous présenter ceux qui nous rejoignent, tant frères que laïcs, pour collaborer au sein du réseau La Salle. Auprès du frère visiteur, deux frères visiteurs adjoints, frère Jean-René Gintric pour le service de la tutelle, frère André-Pierre Gauthier au service de la formation, et qui accompagnera les communautés du secteur Paris-Reims. Trois frères visiteurs auxiliaires m'entourent également. Le frère Paul Cornec pour les communautés de frères de l'Ouest, mais qui est aussi le directeur de la publication du magazine La Salle Lien International et qui est responsable du site internet lasallefc.org. Frère Étienne Le Chapelain accompagnera les communautés de frères du secteur Lyon et Grand Sud. Frère Jean-Luc Lambert sera plus spécialement concerné par les communautés de frères en maison de retraite. Du nouveau aussi en cette rentrée pour les délégués de tutelle des établissements. La délégation de Lyon va ainsi découvrir un nouveau délégué, Jean Chapuis, qui était jusqu'alors chef d'établissement de Sainte-Anne, Savoisienne, à La Motte-Servolex. La délégation Bretagne est confiée à Michel Berthet, précédemment délégué pour Paris-Lille, avec en appui, comme chargé de tutelle, le frère Joël Guéguin. C'est Bruno Lagné qui prend en charge la délégation Paris-Lille, Madame Michèle Lagache étant chargée de tutelle. Le centre-ouest reste confié à Michel H, de même que le sud à Jean Bourousse, et Dijon-Reims à Patrick Roger. Jean-Pierre Coadic étant chargé de tutelle pour La Réunion. Quant à notre nouvelle école en Guyane, elle sera plus particulièrement suivie par le frère Paul Cornec. Enfin, toujours au sein de l'équipe de l'association La Salle, dont Étienne Rouleau Dugage est le secrétaire général, Daniel Dussaillant devient directeur de la formation de l'Institut de La Salle et du CLF, Centre Lassallien Français. Claude Besson coordonne quant à lui l'ENAP, l'équipe nationale d'animation pastorale, où œuvrent Véronique Sarda et Frédéric Rolle. Et le frère Stéphane Lognon sera désormais en charge de la pastorale des choix de vie avec Anne Benoît. Quant à la communication, elle est assurée par Jean-Louis Berger-Borde et Florence Demestre, en charge du site internet. Le grand événement de l'été, c'est la tenue, en juillet, de l'AMEL, l'Assemblée de la Mission éducative lassallienne, qui a réuni 80 représentants des 13 000 adultes des communautés éducatives et des frères. En ressort-il des bouleversements ou des inflexions accentuées? Une première réponse avec Joseph Mingui, chef d'établissement du LICES à Quimper et président de l'association La Salle. Oui, vraiment, cette assemblée de la mission éducative lassallienne, l'AMEL, qui s'est tenue au mois de juillet, est, je le crois, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour les frères et les laïcs qui constituent le réseau, et aussi tout particulièrement pour les chefs d'établissement qui, depuis longtemps déjà, œuvrent ensemble à la mission lassallienne. Qu'a-t-il été décidé? Il a été décidé de créer, de fonder une nouvelle entité, une entité de partage et de gouvernance qui va se substituer à celle qui existe aujourd'hui. Elle accueillera frères et laïcs qui seront appelés à porter ensemble et conjointement la tutelle en l'exerçant par délégation du frère visiteur. Alors, retenez bien ce nom. Retenez bien ce nom parce que désormais vous l'entendrez souvent. Il s'agit de la fraternité éducative La Salle. Dans les mois à venir,
les contours de la fraternité éducative La Salle vous seront présentés. Et son enjeu est clair. Il s'agit de mieux associer les 13 000 laïcs qui œuvrent dans le réseau aux côtés des frères, en créant, autour du frère visiteur, un conseil de tutelle dans lequel les chefs d'établissement auront une place importante. Et puis également, d'ancrer sa mission dans les grandes intuitions éducatives de Jean-Baptiste de La Salle. Alors voyez, cette fraternité éducative La Salle aura une dimension institutionnelle, mais également et surtout une dimension spirituelle et chrétienne. À chacune et à chacun, je souhaite une belle rentrée et une année scolaire 2010-2011 la plus sereine possible. Cette fraternité éducative La Salle, de frères et de laïcs, devra bien sûr s'appuyer, pour mieux faire vivre le charisme lassalien au sein de l'enseignement catholique, sur un réseau d'établissements attentifs, comme ils le sont déjà, à leur bonne gestion. Mais attentifs surtout à toujours assurer l'accueil et le soutien particulier des jeunes en difficulté. Frère Jean-Paul Allette nous présente les grandes décisions en ce sens de l'AMEL et du chapitre des frères. Quel écho vous donnez des propositions de l'Assemblée de la mission éducative? Il me semble que ces propositions pourraient être placées sous le signe de la solidarité et du partage. D'abord, dans le domaine de la mission éducative, décision est prise de la mise en place progressive d'un parcours d'éducation pour la justice, et cela à tous les niveaux d'enseignement, depuis l'école jusqu'aux classes d'enseignement supérieur. Une deuxième décision extrêmement importante, puisqu'elle se réfère à un point fondamental du projet éducatif, c'est la constitution par réseau de proximité d'équipes qui se pencheront sur la situation des jeunes en situation de rupture scolaire, de façon à trouver des moyens adaptés pour répondre à leurs besoins. Une autre décision, mais qui, elle, est déjà en route, c'est une confirmation d'une proposition qui avait déjà été faite dans la précédente assemblée, c'est l'ouverture à la rentrée de 3 classes d'une petite école à Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane, et 4 laïcs et frères constituent déjà l'équipe éducative de cette petite institution qui démarre. Solidarité partage, mais aussi dans le domaine économique. Nous avons réfléchi pour que les associations de gestion des différents établissements puissent avoir davantage de liens entre elles et mettre en place des moyens de mutualisation et d'aide sur le plan financier, notamment pour soulager des établissements qui seraient en difficulté. Les dernières propositions de l'Assemblée touchent ce qui concerne l'enseignement supérieur dans notre réseau, aussi bien les écoles d'ingénieurs que les classes préparatoires et les sections de BTS. Notamment pour renforcer les liens entre ces différentes sections, voire les relier également à des pôles d'enseignement supérieur du réseau lassalien en Europe et dans le monde. Toutes ces décisions sont donc la feuille de route pour les 4 ans à venir du réseau La Salle. Mais concrètement, pour chacun d'entre nous, comment vont-elles être vécues? Elles se retrouveront assurément dans les initiatives que seront amenées à prendre les établissements dans le cadre de leur réseau de proximité, et déjà dans quelques grands événements fixés à ce jour de la vie du réseau La Salle qui nous permettront d'approfondir ces engagements. Du 23 au 25 octobre 2010, à l'établissement La Salle Saint-Nicolas d'Issy-les-Moulineaux se tiendra l'Université Lassalienne d'automne sur le thème « Mixité sociale en milieu scolaire, slogan ou projet ». Nombre de formations vous sont aussi proposées par l'Institut de La Salle. Vous en trouverez la liste sur la fiche qui est certainement déjà apposée en salle des professeurs ou dans les secrétariats. Du 4 au 8 avril 2011 se tiendra la Semaine nationale lassalienne, en animation par réseau de proximité, sur le thème de la confiance, de la foi en l'autre et en Dieu. Avec un temps fort le 7 avril, fête de Saint Jean-Baptiste de La Salle, et une action symbolique collective. Le 19 juin 2011, à Reims, nous fêterons le 360e anniversaire de la naissance de notre fondateur, Saint Jean-Baptiste de La Salle.
Nous venons d'entendre les différents rendez-vous qui nous sont proposés cette année. Je vous invite tout de même à voir un petit peu plus large que l'Hexagone, puisque cette année, ce sont les Journées mondiales de la jeunesse à Madrid en août 2011. Et sachez que des groupes de jeunes lassaliens des différents établissements vont se mettre en route avec des éducateurs et ils retrouveront d'autres jeunes des différentes régions de l'Institut au mois d'août prochain. Dans quelle disposition sommes-nous en ce début d'année ? Vous vous souvenez que l'an passé, le mot-clé, c'était celui de l'engagement et que localement, on nous a proposé d'organiser des actions, des activités qui tournent autour du service et de l'engagement. Cette année, c'était le rendez-vous en mai dernier du Festival de la Fraternité. Et au mot-clé fraternité, on nous invite pour l'année qui vient à ajouter celui de la confiance. Eh bien, je souhaite que pour chacun des membres des communautés éducatives du réseau La Salle, je pense aux enseignants, je pense aux éducateurs personnels d'administration des services, aux membres des OGEC, des parents d'élèves, on pourrait bien sûr ajouter aussi des jeunes, je souhaite une très très belle et bonne année placée sous le signe de la confiance.